Bonjour à tous les amis. Voilà, je suis donc dans une église à Paris, place d'Alésia. Je fais la rencontre de la Vierge Marie. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de vous dire les choses. Nous sommes à quelques jours de Pâques. Voilà, de la résurrection du Seigneur. Et puis, nous allons commencer cette semaine sainte demain pour la terminer, donc le jour de Pâques, c'est-à-dire dimanche prochain. Et il faut savoir que demain, le jour des rameaux, eh bien, Jésus va rentrer à Jérusalem sur son âne, accueilli par les Hébreux, les Juifs, et puis toutes les religions, forcément. Sachez que le christianisme n'existait pas encore à cette époque-là, puisque Jésus était d'origine juive. Et donc il est acclamé par toutes les personnes qui vivaient dans la ville. Voilà. Il faut savoir que Jérusalem, c'est une petite ville. Hein. Le cœur de la ville fait 1 km². Donc voilà. Et donc Jésus rentre avec les rameaux, donc là-bas c'est soit les branches d'olivier, soit les branches de palme. Et puis nous avons commencé la semaine dernière avec, comme je vous disais hier, le voilage des statues. Alors ici dans cette église, il n'y a aucune statue de voilée, notamment les Christs devraient être voilés, mais ça ne l'est pas. Et puis demain nous allons être dans une période qui sera en rouge, voilà, nous célébrons donc les rameaux. Et dans l'église catholique, dans les traditions de l'église, ce jour était rouge, voilà, pour la passion. Alors ça représente l'amour, mais ça représente la passion, donc on commence dans la semaine sainte. Et puis nous allons continuer. L'avantage de cette année, c'est que nous avons l'Annonciation qui tombe en plein milieu, voilà, de cette semaine sainte. L'Annonciation que Marie serait maman. Ça tombe bien, hein, 9 mois après. 25 Noël, voilà, et donc nous célébrerons aussi cette énergie puissante. Et puis d'un côté spirituel, nous avons aussi la pleine lune ce lundi, une journée bien chargée énergétiquement et vibratoirement surtout. Et puis en prête, nous allons poursuivre donc avec le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est particulier puisque c'est le jour de la scène. Vous savez, la scène, c'est Jésus qui lave les pieds de ses apôtres après avoir mangé, ou avant d'avoir mangé. Le calice et le sang, c'est ce qu'on retrouve après dans l'offertoire de la messe. Voilà. Il se sacrifie, il donne le calice du vin à ses apôtres en prenant, mais en disant, et puis l'hostie, le corps du Christ, prenez et mangez, car ceci est mon corps, voilà, qui sera livré pour vous. Et puis, donc, le jeudi saint, l'évêque, le cardinal ou le pape prépare ce qu'on appelle le saint crème, voilà, les saintes huiles, pour tout ce qui est les onctions, pour les malades, pour la confirmation, pour le baptême, et puis aussi pour les ordinations sacerdotales. Quand un prêtre est ordonné, on lui impose le saint crème, voilà, tout simplement. Donc on prépare le saint crème le matin et l'après-midi, donc le soir à la messe, avec l'exposition du Saint-Sacrement, puisque nous vidons les lieux, voilà, nous vidons donc l'autel de tous ses paras pour que l'autel soit vide, voilà, pour que l'autel soit vide pour entamer la résurrection et donc la messe pascale, la veillée pascale et la messe chrismale, voilà. Donc en fait, nous sommes en période violet, voilà. Et puis comme nous sommes dans la semaine de la Passion et du carême encore, nous finissons le carême demain presque. Et donc, il y a une adoration du Saint-Sacrement, normalement, qui est prévue le soir après. L'autel est vide, le tabernacle est ouvert. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe dedans. Il n'y a rien, juste des petits rideaux. Et puis, les cloches s'en vont à Rome. Vous n'entendrez plus les cloches entre le jeudi saint et le dimanche des rameaux, le dimanche de Pâques. Et puis, nous arriverons le vendredi, donc à 15h en général, vous avez le chemin de la croix, voilà, l'adoration de la croix,
avec un morceau que je vous partagerai, comme je partage chaque année, sur la lecture de la Passion selon saint Matthieu, ou saint Jean, ça dépend. Et voilà, il y a une adoration, le chemin de croix qui se commence, et puis après c'est suivi par la messe, voilà, la messe du Vendredi Saint, où vous pouvez aller baiser les pieds du Christ, voilà, sur la croix. Et puis nous arrivons donc le samedi, en général, la veillée pascale, le jour de la veillée pascale, il n'y a pas de messe, à part le soir, où c'est nous fabriquons ici, vous voyez, le cierge pascal. Voilà, il faut savoir que sur le cierge pascal, vous avez 5 morceaux d'encens qui, voilà, qui est ajouté sur le cierge, voilà, parce qu'il y a des trous, et on y met de l'encens pour que ce cierge dure chaque année, voilà, pour les baptêmes, pour les messes, voilà, tout simplement. Et puis, il y a tout un protocole. Et c'est là où est fabriquée l'eau bénite. Voilà, tout simplement. C'était aussi pour nous dire aussi que... Ça, c'est pour le côté liturgie, mais pour nous dire aussi que nous sommes là pour aider les uns, pour s'aider, s'entraider entre les uns et les autres, tout simplement. J'attends rien de cette... des gens, je le fais avec mon cœur, comme vous avez pu voir, avec cette famille en Israël qui a besoin de nous, Bassem et sa famille, voilà, où on fera cette énergie de lui donner ou de lui envoyer ce qu'il faut pour vivre, voilà, parce qu'en étant en communication, bah, il est très difficile de vivre là-bas. Même si j'adore Israël et que j'aimerais y retourner rapidement, bah, pour l'instant c'est bloqué. Voilà, aujourd'hui je vais prier pour vous donner cette force, cette énergie, demander aussi à Christ Rédempteur que vous pouvez voir ici, vous voyez, et puis de vous guider sur le chemin de l'énergie, tout simplement, et puis profiter de l'instant présent, vivez pour aider les autres, vivez pour vous, aimez-vous, c'est surtout ça qui est important, et le plus important c'est de pardonner à son prochain. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt, merci.